Vous avez tous reçu les enveloppes pour voter aux élections Chambre d'agriculture. Au niveau des responsables professionnels, dans le département comme au niveau national, on a tous fait notre travail, fait du terrain, pour expliquer les enjeux de ces élections, l'importance pour nous et nos ambitions pour notre pays, pour notre agriculture, et pour faire valoir ensemble une agriculture à dimension humaine, et chacun soit fier et heureux de travailler pour son métier. Voter aujourd'hui, c'est très facile. Il vous reste quelques jours pour ne pas oublier de sortir la bonne enveloppe, de mettre le bon bulletin dans l'enveloppe et de signer derrière, bien évidemment, en cochant le collège sur lequel vous devez voter. C'est hyper important. Bien évidemment, pour nous, on souhaite gagner ces élections, c'est évident. Mais un des principaux risques, c'est l'abstention. Oublier de voter, ça veut dire que c'est donner des forces à nos adversaires, quels qu'ils soient, et demain, laisser croire que les agriculteurs ne sont plus fiers de leur métier et ne sont pas capables de se mobiliser sur des choses simples comme les élections Chambre d'agriculture. On compte sur vous, les responsables qui sont engagés, les futurs élus à la Chambre d'agriculture comptent sur vous pour que demain, dans toutes les négociations, dans toutes les discussions, ils aient du poids. Le poids, ce sont vos votes.